Moi j'arrive. Non, pas des coins. Descends, ça va tomber. Bouge une jaille. Bon. Ça va. Ça va. Allez. Bonjour, cher ami Moussa. Après notre entretien, donc. Sur Radio Galère. Quelle sera cette journée aujourd'hui? Vous pouvez nous expliquer? En fait, en gros, cette journée, c'est pour lancer l'association Union des Africains de la Diaspora, qui est un concept d'union, c'est-à-dire un concept fédérateur. C'est un concept où tout le monde doit se sentir partie à 100%. C'est-à-dire les jeunes, les associations, fondations qui luttent pour les enfants, qui luttent pour les femmes, qui luttent pour les vieux. Une association dansante, de massification, de réunification. Parce que c'est-à-dire que c'est dans l'union, c'est en étant plus fort, en parlant d'une seule voix, qu'on pourra se faire respecter, qu'on pourra se faire entendre. Et si c'est pas chose faite, c'est peine perdue. Donc aujourd'hui, la journée, c'est vraiment... Elle est dédiée à quels sont les pays qui sont concernés? Quels sont les pays déjà que vous avez avisés? Tous les pays de l'Afrique sont concernés. Mais aujourd'hui, nous avons eu la primeur et l'honneur d'avoir la présence du consul général du Sénégal à Marseille, son Excellence Monsieur Tamsir Faye. Et ce sera pas la première, ce sera la première, mais pas la dernière. Donc les prochaines fois, nous tenterons d'inviter tous les consuls d'Afrique qui sont sur Marseille, afin qu'ils puissent être là, représenter l'Afrique. Donc comme je vous le disais, tous les pays d'Afrique sont concernés. D'accord, on aura l'occasion de... On aura l'occasion d'en reparler. Merci. Bonjour à tous, bonjour et merci d'être venus aussi nombreux à cet événement qui lance l'association qui est
UAD, Union des Africains de la Diaspora. Nous avons aujourd'hui donc la présence de Monsieur le Consul Général du Sénégal à Marseille, Madame l'Adjointe au maire. Nous avons également la présence de Monsieur Babacar Ba, directeur de l'agence POA Bank of Africa à Marseille. Également Monsieur Ndiaye, chargé des affaires du consulat. Nous avons Madame Dominique Boudra, présidente de l'association Espace Solidaire, donc, qui nous ont prêté cette salle et avec qui nous travaillerons en collaboration donc, pour la suite des événements. Donc, sans plus tarder, je laisse Madame Amina Tassi vous faire un discours de bienvenue. Merci. Vous êtes venus et on vous remercie de votre présence. Merci, Monsieur le Consul Général, d'être là. Monsieur Babacar Ba, nous vous remercions tous d'être ici pour la création de l'Union africaine de la diaspora. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. J'ai préparé un petit discours afin de montrer un petit peu l'objectif de cette association UAD. Donc, je vais vous le dire, tant qu'à faire. Merci beaucoup, M. Jean. La première fois que vous venez, vous nous avez accueillis comme si vous nous connaissiez toujours. Et on vous remerciera jamais assez. Et merci beaucoup. C'est avec bonheur que je vous remercie moi aussi. Franchement, je vous accueille très volontiers. Et j'espère qu'il y aura une longue amitié qui va s'installer et que nous allons faire de belles et bonnes choses ensemble. Merci. Donc là, je parle au nom de l'association UAD, Union des Africains de la Diaspora, donc, qui, de par son nom, se veut être fédérateur. Sans le vouloir, en créant ce nom, on s'est rendu compte avec la participation de M. Ba tout à l'heure que nous avons créé un concept qui se veut rassembleur, qui se veut comme un objet de massification. Voilà. Donc c'est le résultat d'une profonde pensée panafricaniste qui a été proposée par notre présidente, Madame Amina Tassi. Pourquoi proposer ? Je dis proposer parce que nous voulons tous d'une Afrique unie, tout un chacun, d'une diaspora qui parle d'une seule voix. Nous, Noirs de France, méritons une place dans cette société, une considération, car au-delà du fait que nous sommes soit citoyens, soit résidents, nous sommes également un électorat, nous sommes un segment par rapport à notre double culture, une clientèle, une main-d'œuvre, donc partie intégrante de la société, et qui plus est, participatif à l'économie. Battons-nous pour l'unisson, à l'instar des leaders d'opinion tels que Nelson Mandela, qui nous savons tous, ça fait 27 ans de prison en combattant ses idées, Patrice Lumumba, Malcolm X, Mohamed Ali, sans oublier Martin Luther King, dont on connaît tous sa célèbre phrase « I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed ». Donc je traduis, j'ai fait un rêve qu'un jour cette nation se lèvera et vivra le vrai sens de sa foi. Nous tenons de ces vérités comme allant de soi, que les hommes naissent tous égaux. Nos mères se battent pour la survie de la famille. Nos pères, à force de ne point être reconnus, finissent par se décourager. Nos frères se vouent à un destin dont le scénario a été écrit d'avance, échec scolaire, puis oisiveté, qui est la mère de tous les vices, qui est d'ailleurs le plus souvent sinistre, car la plupart d'entre eux finissent en prison ou au cimetière. C'est malheureux, mais c'est la réalité des cités. Et même souvent, quand ils sont diplômés, se confrontent au chômage. Bien sûr, l'objectif n'est pas de noircir le tableau. L'objectif n'est pas de noircir le tableau, car c'est l'exception qui fait la règle. John Kennedy disait, ne demande pas à ton pays ce qu'il peut faire pour toi, mais plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. Nous sommes tous d'accord, mais sans un suivi adéquat, avec un destin scellé, comment peut-on demander aujourd'hui cette question à un jeune en France ? Mais nous avons espoir en la France. Aide aux devoirs pour les jeunes de la primaire au lycée, alphabétisation, aide aux démarches administratives, ateliers
de convivialité tel le projet du docteur Luc Padentreger. Le tutorat à travers le projet Un étudiant, une famille. La redécouverte de la culture africaine avec le projet de la Semaine de l'Afrique. L'organisation d'ateliers pour faire des CV, lettres de motivation et la recherche d'emploi. L'épanouissement des jeunes à travers l'organisation de manifestations culturelles, éducatives et événementielles. L'éducation civique et la prévention sont autant de projets qui s'inscriront dans notre action. Sans être prétentieux, la liste n'est pas exhaustive, sachant que tout le monde est le bienvenu. Sans oublier également la solidarité internationale qui est notre cœur de métier et qui est très important parce qu'aujourd'hui, nous nous battons pour le développement de la population africaine. C'est pourquoi nous devons nous rassembler, nous unir, travailler ensemble, main dans la main. Nous avons besoin de chacun, jeune, adulte, personne âgée, homme, femme, car chacun a son rôle à jouer. Ne nous laissons pas distraire par la guerre d'ego. Je vous souhaite à tous de passer un agréable moment. Vive la France, vive l'Afrique, vive l'amitié franco-africaine. Je vous remercie. Pa est un grand panafricaniste avant d'être banquier. Donc aujourd'hui, il nous parlera en sa qualité de panafricaniste et de banquier. Alors c'était un plaisir, mais c'est aussi un honneur. Un honneur parce qu'effectivement, je viens de réaliser l'importance qu'il y a d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, à ce moment-là, avec vous et avec... Madame, puisque sans vous, je pense que cette journée n'aurait pas pu être organisée. Et malheureusement, la ville n'a pas mesuré l'opportunité de cette journée, puisque malheureusement, je suis seule, et je pense représenter fièrement la municipalité de la Seine, qui a un passé de coopération avec les pays d'Afrique, mais aussi avec, une immigration largement, très très large, puisque c'est une ville très cosmopolite, et où, malgré justement ce brassage, de population, il ne se passe pas grand-chose, puisque tout le monde s'entend. Parce que ici, la coopération et le rassemblement, ça fait partie de la vie. C'est la richesse. Et cette richesse, on la veut et on veut continuer de la voir. Et donc, je pense que la municipalité va vous aider largement. Avec la recherche d'un local, puisque je pense que c'est ce que vous avez besoin dans l'immédiat. Mais après, il y aura sûrement d'autres aides à venir. Et aussi, je voulais dire que c'est vrai, l'Afrique... C'est un continent qui est très important pour l'humanité, parce que c'est le berceau de l'humanité. Et ce berceau de l'humanité, il faut le conserver à jamais. Je pense qu'il est aussi une richesse pour le monde, une richesse dont on ne peut pas se passer. C'est un continent formidable. Et effectivement, je pense que si ici, aujourd'hui, vous pouvez améliorer les choses et faire en sorte que ça soit un continent fort, je pense que vous aurez beaucoup fait pour toute l'humanité d'ailleurs. Et je vous en remercie. Merci beaucoup Madame la Maire. Votre discours n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je pense que nous avons tous entendu. Mais c'est bien de reconnaître la portée de la parole de l'Afrique. Et je suis d'autant plus ému quand j'entends votre discours, à savoir que, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas accusé le monde qu'on attendait. Il y a eu d'autres événements, et on n'a pas tenu compte de ces paramètres-là. Mais je pense que, comme nous disait Babacar tout à l'heure, qu'en fait, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. C'est-à-dire, mieux vaut avoir 5 personnes dans une salle avec un discours de qualité, un discours cohérent, un discours qui tire vers le haut, qu'une salle bondée de monde, sans pour autant en ressortir avec de la matière. La matière, c'est le plus important. Voilà.
Donc, pour preuve d'ailleurs, le général de Gaulle, quand il a fait son fameux appel du 18 juin à Londres, était très seul, tout seul dans les locaux de la BBC, mais il a réussi à fédérer toute la France libre derrière lui. Donc je vais donner la parole à monsieur Élie Mangiaï, chargé d'affaires et premier conseiller du consul à Marseille. Monsieur le consul général, madame le maire, madame la présidente de l'association, bon, excusez-moi, si on me prend un tout petit peu au dépourvu, il n'était pas prévu que je prenne la parole, bien sûr, mais je vais en profiter juste pour remercier donc madame le maire d'avoir bien voulu nous honorer cette manifestation de sa présence, remercier naturellement la présidente de l'association à l'initiative de cette rencontre, remercier également madame en face de moi qui a bien voulu mettre la salle à notre disposition et permettre par conséquent la tenue de cette rencontre. Remercier également tous mes compatriotes ici présents. Remercier les Africains de la diaspora également qui ont bien voulu répondre à cet appel. Et donc pour leur dire que le consulat du Sénégal est de tout cœur avec cette initiative, la soutient fermement. Je pense que M. le consul général ici présent le dira mieux que moi.